road. Everyone seemed to know each other. Everybody knew the code of kindness to our neighbors. Glad to help each other out. Just a smile and a wave always left you with no doubt. Des compotes. Lesquelles tu veux? La table de chaque. Une table de chaque? Ouais. Bon, qu'est-ce que tu racontes? On voit rien, c'est tout dit. Rien? Là, j'ai vu Gilbert ce week-end. Et il est monté quand ils sont montés. Bon, ouais, semaine dernière, hein? Plus mort. Une boîte de poing, une boîte de haricots. Un tube de tomate, okay. Mets-moi une boîte de sardines. À l'huile ou à la tomate? On met à l'huile. Et tu as de la farine de blé noir, oui. Oui. Je suis tout seul là. Et alors c'est obligé qu'ils me rendent service. Et puis je descends de temps en temps avec des voitures que je trouve. Pas seulement une voiture, moi. Parce que lui il habite plus loin là, dans le village. Et il n'a pas de voiture non plus. Il porte que du fromage, de l'épicerie et des légumes. Oui, c'est bien, oui. Moi, ça me rend service. Maintenant, il est passé aujourd'hui, il passe dans 15 jours de nouveau. Mais il me manque toujours quelque chose. Il me manque que je ne mange pas trop tout seul. Oui. Porte dans les hameaux, tout ce qui est épicerie, comme vous pouvez le voir derrière moi, mais aussi fromage, laitage, des œufs, fruits et légumes, de manière à pouvoir ravitailler toutes les personnes en difficulté, qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. La tournée, c'est deux fois par semaine, le mardi et le jeudi. Donc sur tout ce qui est le Castillonnet, la Plaine d'Oust, Vallée d'Hercé, Vallée du Stoux. Voilà, deux fois par semaine, ça fait en tout 230 km. Alors, Dima. Oh, ça peut aller à moitié, mais ça va. Qu'est-ce que tu veux? Allez, tu bon, Dimbas. Babla. Bon, voyons, comme à l'habitude, des appareils. Allez, attends, j'ai un petit cajou pour toi. Tiens, je te donne un cajou aujourd'hui, tu pourrais les mettre dans le feu. Ah, d'accord, oui. C'est bien. Ah, il va passer le boucher tout à l'heure. Il passe le boucher? Ah oui. Il a... Ouais. Dans... Sébastien. Dans une heure, dans demi-heure. Avec ceci. Un camembert. Un camembert, un petit peu de bleu, tu sais. Parce que j'ai appris le reste de l'année, mais le reste de l'autre jour. Et je suis passé jeudi, donc. Eh oui. Il doit t'en rester. Il va être temps. C'est bon. Ouais. Allez, je passe devant. Sometimes we call our father and our God to see if they're all right. He's got his tent, the box, you can tell there's voilà. Et donnez-moi 1 kilo. Elles sont bonnes, ces mandarines? Alors, c'est utile pour les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer. C'est embêtant parce que nous n'avons pas de circuit. On a un circuit d'autobus, mais les personnes âgées, bien souvent, ne peuvent pas monter dans l'autobus. Alors, il serait utile qu'il y ait je ne sais pas, comme à Tarascon, je ne sais pas, ils ont un circuit, on vient les chercher chez eux et on les ramène. Système de taxi. Eh ? Système de taxi. Un genre de système de taxi. Parce que ici, nous sommes à peu près 1, 2, 3, 4, 5 personnes seules. Voilà. Alors ici, du fromage, des légumes, des laitages et des fruits. Ah, la viande, on l'attend. Dans 1 heure, il sera là. Ouais.
Un petit commerce qui est très agréable, c'est un commerce, quand vous demandez un petit morceau, il vous donne un petit morceau et il sait ce que vous voulez et il vous donne la quantité que vous voulez. Et il peut vous conseiller de prendre celui-là ou un autre, suivant vos goûts. Qui est vraiment très agréable, ça part des fromages du Nord, des fromages des Pyrénées, du fromage de l'Auvergne, et le marchand connaît son affaire, il sait ce qu'il vend, et c'est vraiment très agréable. Nous, on est de la région, on habite à Salis du Salat, où on a les marchés le week-end, c'est pratique pour les gens qui travaillent en semaine, qui n'ont pas forcément l'occasion d'acheter de bons produits dans des supermarchés. Donc là, voilà, on préfère venir voir les petits producteurs, puis de réduire on va dire, les intermédiaires, de pouvoir voilà, qu'on achète des produits comme du miel, comme du fromage. Alors, donc, ben, on vient le chercher ici, au marché, parce qu'on peut le goûter, voilà, tout simplement. Donc, notre métier avec mon épouse est crémier fromager affineur. Nous sélectionnons des fromages sur toute la France et nous les conservons pour les amener à maturité dans nos caves. Donc, nous avons une spécialité quand même qui sont toutes les tomes pyrénéennes et notamment ariégeoises, où là nous travaillons en collaboration étroite avec les producteurs. Donc ça fait partie des attraits du commerce, de pouvoir être au proche des producteurs. Donc l'autre aspect très sympathique sur le commerce, c'est la proximité avec les clients et le conseil. Les gens viennent vraiment chez nous pour trouver un conseil et un produit qui leur convienne, qui soit affiné correctement et ne pas avoir un produit de grande surface. Nous avons en stock là les fromages de vache de la région. Donc on les reçoit des producteurs qui ont déjà commencé l'affinage et nous les terminons, nous les soignons. On retourne une à deux fois par semaine de manière à ce qu'ils s'affinent de manière homogène. Et une fois maturité, donc on est entre 3 et 4 mois suivant les fromages, nous les mettons en vente. Donc voilà, différents types de fromages de vache, de la produits sur le Couseran. Donc ça fait partie vraiment de notre métier, de mettre en valeur les produits très locaux. Voilà. Et les difficultés sur la ville de Saint-Giron, moi je pense qu'il y a une bonne amélioration à faire au niveau des places de parking, un vrai turnover sur les places de parking pour que les gens puissent trouver de la place facilement, que ce ne soit pas forcément les commerçants, les gens qui y travaillent en permanence, qui soient sur les places de parking. Il faut laisser les places aux clients. Ça, c'est les premières difficultés. Après avoir une ville propre, agréable à circuler, c'est-à-dire des trottoirs aux normes dans toute la ville, pour que l'accès handicapé aux personnes âgées se fasse facilement, parce que quand même le vieillissement de la population sur la ville de Saint-Giron est notable. Après, à plus grande échelle, et tous mes collègues vont me rejoindre, c'est les charges du RSI, les charges salariales sont énormes et nous plombent beaucoup. C'est-à-dire qu'il nous faut travailler plus de 6 jours par semaine pour pouvoir sortir des salaires, payer nos fournisseurs, payer nos salariés et pouvoir vivre aussi.